Vous êtes chaud pour une petite minute unboxing? Eh bien aujourd'hui, c'est le tour de Footjoy, le leader de la chaussure de golf, qui nous dévoile la nouvelle Fuel. Vous voyez, un design très sportif, c'est tout léger, c'est du synthétique, évidemment on part pas sur du cuir. C'est une chaussure qui va être notamment portée sur le PGA Tour par Will Zalatoris, donc un joueur de moins de 25 ans, parce que c'est quand même la cible, les jeunes golfeurs avec ce genre de profil, évidemment on est quasiment sur des chaussures de sport, et une toute nouvelle semelle Stratolite, déjà sans crampons, très inspirée au niveau du design des Pro SL. Vous avez notamment ici en orange, ça a été mis en valeur, un nouveau soutien médian pour plus de stabilité pendant le swing. Ça a été longtemps le défaut de ce genre de chaussures, c'est que ça twistait, ça bougeait vraiment trop dans tous les sens, et d'année en année, ça s'améliore du côté des fabricants, que ce soit Footjoy, Echo ou Adidas, c'est que pendant le swing, on garde de la stabilité avec un profil arrondi, très traditionnel sur le bout. Quoi dire d'autre, c'est disponible pour hommes, femmes et enfants en laçage traditionnel, mais également boa, qui a de plus en plus de succès, que je préfère pour ma part. Ça permet d'avoir le pied serré, englobé, dans toute sa globalité, du talon à la pointe pendant toute la partie. On se baisse, un coup de vis et c'est serré. Voilà. C'est du tout léger. Au niveau du maintien, à tester évidemment sur de l'air mouillé, voire de la gadoue, mais ça tient nickel. C'est déjà en vente à partir de 99€ pour les juniors, 169€ pour le modèle à lassage classique et 199€ en lassage boa. C'est les Fuel de Footjoy.